ça ne nous appartient qu'à n'est à nous aussi. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Non, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait du fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Je pense que la plupart des gens, ils vont voir Dounia, ils vont voir Maïmouna, et quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine culturelle, quelle que soit leur appartenance religieuse, ils s'identifieront au personnage. Pourquoi ? Parce que c'est des personnages humains qui sont en quête de reconnaissance et de dignité. C'est pour ça que pour moi, Divine, c'est une histoire universelle. Elle rêve de quoi ? Elle rêve d'une Ferrari, elle rêve de boire du champagne avec sa meilleure amie dans une villa. Enfin, je veux dire, c'est ce que peut-être rêve même tout. Tous les adolescents. Et elle a envie d'aller jusqu'au bout de ce rêve, elle va y aller malheureusement à quel prix, quoi. Et j'avais aussi envie, voilà, de parler aussi des monstres que nous-mêmes nous créons. Moi, en tout cas, je me sens responsable, à mon échelle, de la société qu'on est en train de créer. Et je pense qu'il faut revenir à l'individualité et à la responsabilité qu'on a tous. Mon acte de création naît toujours d'une injustice. Donc j'ai ce besoin viscéral de canaliser cette colère, et grâce au cinéma, en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir des rencontres exceptionnelles dans ma vie. J'ai eu un surveillant qui s'appelle Grégory Proch qui m'a mis entre les mains Médée de Pasolini et un livre Voyage au bout de la nuit, et grâce à l'art, moi j'ai pu ma colère, en tout cas la mettre au service de mon art. Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh, putain. Tu vois que t'as peur? Bah, t'es flippante aussi, hein. J'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal.